Là, c'est John, journaliste pour Vécu, reporter pour Vécu, qui est outré parce qu'il se déplace pour pas grand monde, regarde. Tu vois, on n'est pas beaucoup. Hein. C'est hyper important. Après, moi, j'ai gardé l'espoir de le révolutionnaire, la personne qui veut vraiment bousculer la situation. La situation, c'est pour longtemps intolérable et inacceptable. À bout d'un moment, on a besoin de reprendre notre souveraineté, notre décision de rester libre et le choix de comporter d'une façon sans faire mal de les autres. Tu vois, là, cette connerie autour de le virus et cette faussement d'injection de poison par les criminels, c'est bien documenté. Tout le laboratoire, c'est les criminels. Tu regardes, fais ton devoir. Tu es en train de mettre ton foi dans la technocratie, le pharmaceutical. Ils ont un plan malsain qu'ils sont en train de mettre en place. Si tu veux comprendre ça ou pas, je ne sais pas quoi te dire. Moi, je n'ai pas beaucoup de compétences, mais c'est longtemps que j'ai bien compris qu'est-ce qui se passe. Parce que c'était écrit en noir et blanc. Tu as besoin juste lâcher ton déni, gérer ton souffrance de dissonance cognitive et agir vite, l'équipe. Je souhaitais tout le monde en conscience collective où on peut vraiment réveiller. D'être humain, de reprendre notre liberté en main et de no stop à la connerie. Merci, Jonathan. Avec plaisir, frérot. Merci. Bravo. Merci, Jonathan.